Alors, le développement de la KTM, oui, avance, enfin, comme je le souhaite, difficile à dire. Moi, je souhaite pouvoir gagner, mais je sais que je dois patienter et accepter de passer par des étapes plus difficiles et un peu plus lentes, on va dire. Je ne sais pas si ça devrait évoluer plus vite ou pas, mais j'ai compris qu'il y a besoin de temps. Et des fois, on prend des bonnes directions, on sent qu'on peut évoluer, mais par exemple, on arrive à la limite de cette direction. Et là, il faut attendre qu'il y ait de nouvelles choses sur la moto pour continuer dans le sens qu'on veut. Et là, accélérer une fabrication d'un châssis, d'un bras oscillant, de quoi que ce soit, eh bien, c'est pas immédiat. Eh bien, ça va, en fonction de l'évolution qu'on a. Je sais que quand j'ai débuté en novembre 2018, peu de feeling sur le train avant, et donc ça a été la priorité déjà pour pouvoir se sentir à l'aise sur la moto, pouvoir aller dans les virages avec plus de facilité et me relaxer dessus. Et quand j'ai attaqué les essais en 2018, on avait déjà passé un bon cap là-dessus. Et de là, à force d'avoir pris des meilleures sensations en entrée de virage et de mieux diriger la moto, je me suis rendu compte au Qatar que ce qui peut me manquer, c'est la vitesse de passage, c'est passer plus vite en virage et donc une moto qui peut, espérons, enfin le but de la faire tourner plus facilement. Donc voilà, ça évolue et sans doute que lorsque j'aurai l'entrée et un bon turn, que la moto tourne correctement, peut-être qu'ensuite j'aurai besoin d'une meilleure accélération, mais c'est pas encore le point sur lequel je me plains. Alors avec Paul, on discute peu, c'est vrai que des fois on échange, des fois on a le même commentaire sur la moto, mais on veut pas la même solution. Lui a plutôt tendance à souvent demander plus de grip, donc plus d'adhérence du pneu arrière. Moi, d'après moi, je lui dis d'abord j'aimerais tourner avant de me plaindre du grip. Donc voilà, des fois d'un défaut similaire, on aimerait le solutionner de deux manières différentes. Ça ne nous met pas du tout l'un contre l'autre, hein. Ça oblige juste l'équipe à bien gérer chaque info. Ça permet sans doute à l'équipe d'essayer une direction et essayer une autre direction. Et lui a un style vraiment différent. Donc je vois que ça pourrait être intéressant qu'on discute ensemble ou qu'on approfondisse des fois ses sensations, mais ça peut être au risque de se perturber. Donc on est tellement occupé quand même lorsqu'on est sur une journée de test ou sur une journée de Grand Prix, qu'il vaut mieux rester dans son monde tant qu'on estime ce monde bon. Je crois que c'est ce que je vais un peu découvrir. Jusqu'à présent, j'avais une moto en début d'année pendant les tests, à la limite une mini évolution pour le test suivant, et en plus, après, elle restait fixe toute l'année. Là, j'avais sans doute des difficultés en début d'année, mais en milieu d'année, il va y avoir des évolutions et ça va permettre de passer encore une autre marche à deux tiers de l'année. Et ça peut être vraiment une manière de garder une super motivation toute l'année parce qu'on sent qu'il n'y a pas que le pilote qui est motivé, il y a vraiment toute l'usine qui suit derrière. Donc là, ouais, je suis curieux d'avoir ce ressenti-là et j'aimerais bien, par exemple, en septembre, sentir qu'on a encore de nouvelles choses et donc on reste jamais sur notre faim. Alors, les aménagements spécifiques, techniquement, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Moi, je donne vraiment les sensations. Après les modifications qu'ils font sur la moto, je ne veux pas trop savoir pour pas me perturber encore la tête. Donc, les sensations, j'ai pu les expliquer avant. Et techniquement, non, difficile à dire. Là, je laisse ça à cette partie-là aux techniciens. Eh bien, en théorie, le moteur en V apporte plus de couple et apporte vraiment, il délivre la puissance d'une manière différente, qui semble, sur le papier, c'est la manière où un moteur peut être le plus fort. C'est ce que c'est Honda, ils font ça, et Ducati aussi, et c'est quand même les deux plus puissants du championnat. Nous, KTM, on a encore des évolutions à faire pour arriver au niveau des deux précédents que j'ai cités.
Sur les autres moteurs en ligne, Yamaha, Suzuki, on voit qu'ils arrivent quand même finalement à très bien gérer leur puissance maintenant avec l'électronique. Donc c'est du kiff-kiff. C'est pour ça qu'après c'est finalement une philosophie ou un choix technique et savoir l'utiliser au mieux. Mais ma première sensation, et ça c'est ça qui est bon, qu'on soit un pilote MotoGP ou un motard sur la route. Eh bien, vraiment, entre un V et un ligne, c'est la même sensation de différence, un peu plus de courbe quand on prend un peu la poignée de gaz en main. Tout de suite, on sent qu'il y a une certaine force qu'il n'y avait pas obligatoirement sur un moteur en ligne. Et ça, voilà, qu'on puisse sortir d'un rond-point, sortir d'un virage à 150 ou 180, c'est kiff-kiff la sensation. Eh bien, là. Pareil, c'est une question assez technique, ou presque visuelle pour l'instant qu'on voit la différence. Le châssis tubulaire, il porte un avantage que si on veut apporter des modifications de rigidité à certains endroits, c'est presque plus facile d'aller changer ses spécificités sur le châssis. Après, le châssis tubulaire est à la base un peu plus lourd qu'un châssis alu standard. Et ça, pour rattraper un peu ce poids, il faut savoir gagner sur d'autres pièces. Bon, le rêve, c'est de gagner, c'est d'être champion du monde. Pour y passer, je voudrais consolider ça avec un top 10 cette année sur la KTM. Ça fait pas rêver sans doute le public, hein, c'est un peu ça. Mais je crois que ça serait une manière de me faire à moi-même et à toute l'équipe une preuve de constance et donc fabriquer une base. La base, c'est le top 10, et de là, on sait qu'on peut ensuite viser constamment du top 5 pour l'année 2020. C'est le but, et oui, ça va aider parce que deux fois plus d'informations, et comme ont les autres équipes, c'est. Si l'usine a suffisamment d'hommes pour gérer toutes ces informations, ça reste un avantage.